transformer le presbytère en garçonnière érotique, c'est ce qu'aurait fait ce prêtre de la ville d'Hermies. Le père Alexis Mario Nomo, abbé de cette paroisse du Pas-de-Calais, est sur le point de perdre son poste. En cause, des relations charnelles qu'il aurait entretenues avec une de ses paroissiennes. Sauf retournement de situation, il sera défroqué et, faute de contrat de travail, rentrera au Cameroun d'où il est originaire. Face à la sévérité de la punition, une mobilisation sans précédent se développe dans Hermies. La commune de 1200 habitants souhaite garder le père Onomo et le fait savoir. Une pétition, lancée par un étudiant de 22 ans, a déjà récolté 500 signatures. Le jeune homme n'est pas religieux, mais attaché à la présence du prêtre. « Il aide les gens », affirme-t-il. « On va chez lui, il nous raconte des anecdotes sur le Cameroun, on fait de la musique. » Selon les mots du maire d'Hermies, Jacques Capel, « si on renvoyait tous les curés qui fautent, il n'y en aurait plus beaucoup. » L'élu de la ville s'est adressé directement à la hiérarchie cléricale, en la personne de l'évêque d'Arras, Mgr Geiger. Mais ce dernier est resté intransigeant. Quand, en un temps record, un prêtre transforme le presbytère en garçonnière érotique, un évêque ne peut pas couvrir cela, a répondu le vicaire.